Qu'est-ce qui tue l'expérience client? J'ai un exemple à partager avec vous qui remonte à quelques années. Un parti politique a souhaité nous confier l'organisation de ces élections par voie électronique. Ils ont beaucoup insisté pour qu'il n'y ait pas de manipulation du fichier et qu'on parte directement du fichier fourni par les préfectures. Il a fallu énormément de persuasion et puis leur prouver lors de la phase de test que ce n'était pas une bonne idée. Et l'exemple que je voulais prendre, c'est le fait que parfois, dans le cas d'externalisation, l'Excel de certains clients peuvent nous faire frôler le fiasco. Et donc, de faire confiance à l'humain dans un cadre électronique et automatisé est souvent une bonne idée. Et c'est le rôle, notre rôle, en tant que prestataire du DPO, de le rappeler régulièrement à nos clients.